Beaucoup d'Algériens suivent la Coupe du Golfe pour Jamel Belmadi. Les Algériens supportent le Qatar par rapport à toi, par rapport à Boudiaf aussi, et par rapport à Jorge. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des échos par rapport à ça? Oui, j'ai déjà mes parents qui sont en Algérie, donc je sais un petit peu comment ça se passe là-bas. C'est vrai que quelque part, quand on représente toujours notre pays, j'ai beau être entraîneur du Qatar ou entraîneur de club, on est toujours le représentant, on est toujours présenté comme Jamel Belmadi, l'Algérien. Donc on a une responsabilité, je l'ai dit même quand j'ai été nominé sélectionneur de l'équipe nationale, c'est aussi une responsabilité évidemment pour le pays pour lequel je travaille et pour lequel j'ai aussi une grande relation qui va au-delà de la relation de travail. Aussi beaucoup de responsabilités par rapport à mon pays d'origine. Donc j'oublie jamais ces moments-là. Il y a toujours l'Algérie dans un coin de notre tête et on sait que, ne serait-ce que pour l'avenir et pour peut-être les gens qui pourraient me succéder un jour, montrer que voilà, un entraîneur algérien est capable, dans cette discipline qu'est le football, de faire du très bon travail. Mohamed Aboutrika, tu le connais très bien, il a parlé beaucoup de bien sur vous et il a dit que je le vois bien, le prochain entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie. Est-ce que l'Algérie dans tes pensées pour plus tard? C'est inévitable, j'ai tout le temps dans mes pensées, bon ça c'est une surprise pour personne. Maintenant il y a des choses qui se font avec par étapes. J'aime procéder par étapes et me sentir prêt le jour où et les dirigeants algériens et moi-même auront décidé que c'est le bon moment peut-être de prendre les responsabilités de cette équipe nationale. Pour ça, il faut être aguerri, il faut avoir une belle expérience parce que voilà, l'Algérie, c'est une énorme responsabilité, une très grosse fierté, tout le monde le sait. Donc, il faut être à la hauteur de cette responsabilité. Un mot pour Mohamed Aboutrika, qui t'aime bien? Que j'aime beaucoup aussi, déjà en tant que joueur, qui était un très très bon joueur, très efficace. Et puis, on sait tous... les valeurs qu'il partage, qui sont nos valeurs aussi. C'est un musulman fier de ses origines, de ce qu'il est. Et nous, on aime beaucoup ce genre de personnage, droit, très respectueux. Donc, c'est vraiment le genre de joueur et d'homme que l'on respecte et qu'on admire. L'équipe d'Algérie va jouer la Coupe d'Afrique au mois de janvier en Guinée équatoriale. Qu'est-ce que tu en penses des chances de l'Algérie après une belle Coupe du Monde quand même? Une très belle Coupe du Monde et je vais même au-delà de cette Coupe du Monde. Cette deuxième qualification successive à ces deux dernières Coupes du Monde, ça reste quand même quelque chose de très, on peut dire, de historique. L'Algérie, non, il y avait eu 82-86 aussi. On a reproduit, on est en huitième de finale, ça c'est historique par contre. Donc on est sur cette lancée avec cette qualification qui s'est faite quasiment sans bavure. Donc on répond, jusqu'à présent on répond aux attentes, on est dans la continuité de ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde. On a un nouvel entraîneur aussi qui fait pour l'instant du bon travail, donc ça laisse beaucoup beaucoup d'espoir. On a des joueurs jeunes, de qualité, qui prennent de l'envergure. Donc aujourd'hui l'Algérie, on ne peut pas se cacher. Pas le favori. Voilà, sans mettre de pression particulière, tout le monde le sait, on est favori, comme certaines autres nations aussi, hein, mais on est favori. Et je pense que c'est le bon moment. On a le droit, en tout cas, de beaucoup espérer. À la fin du mois, il y a le Ballon d'Or algérien. Il te rappelle beaucoup de choses. Tu étais le premier Ballon d'Or algérien. Il y a 5 nominés. Il y a Islam Slimani, Abdelmoumen Djabou, Sofiane Farouli, Yassine Brahimi et Soudani. Qu'est-ce que tu en penses et qui est le favori pour toi? Déjà, pour revenir deux secondes sur ce Ballon d'Or, c'est toujours un très grand plaisir de pouvoir m'y rendre parce que j'en ai été le premier. Je vous remercie déjà d'avoir organisé cet événement, ce superbe événement qui rend toujours très bien organisé et qui rend toujours... on est d'autant plus fiers de notre pays parce qu'on est capable d'organiser des événements de la sorte. Ensuite, pour ce qui est des joueurs qui ont été nominés, c'est que des bons joueurs. J'aurais même du mal à choisir un favori parce que
C'est que des joueurs qu'on apprécie, qui nous rendent fiers et qui font toujours du très bon travail en sélection. Maintenant, il va falloir en choisir un et il n'y en aura qu'un qui sera nominé. Moi, je vais avoir du mal à vous dire de nom parce que je les apprécie tous. C'est tous des joueurs de qualité. Et en tous les cas, s'il y en a un qui doit le remporter aujourd'hui, en tout cas le 22, j'espère que les autres aussi pourront remporter un jour ou l'autre. Inch'Allah. Jamal, un dernier mot pour les lecteurs et pour la chaîne Hedef TV. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce journal et cette chaîne qui t'a quand même... elle était avec toi pendant ton parcours à Marseille, au Qatar. Yani, tout le temps, on suivait le parcours de Jamal Belmadi. Un mot sur la chaîne et sur le journal. Très sincèrement, vous savez que je ne suis pas le genre de personne à encenser qui que ce soit pour rien. Sinon, si j'aime pas, je préfère ne rien dire. Mais c'est vrai que c'est un journal surtout les gens qui travaillent dans ce quotidien très compétent, honnête dans leur travail. Je n'ai que de bons souvenirs. Ce n'est pas seulement parce que je suis aussi apprécieux de chez vous. J'ai été critiqué peut-être aussi de chez vous, oui. Et des critiques souvent peut-être justifiées. Mais en tous les cas, j'apprécie le travail honnête et professionnel qui est entrepris chez vous. Donc je vous souhaite longue vie à tous les gens qui sont les responsables et les acteurs de ce journal.